Horoscope Sagittaire du 16 mars 2023. Bonjour. Voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Vénus et Mars vous promettent une journée très agréable côté cœur. L'entente sera parfaite au sein de votre couple. Si un problème surgit, vous vous mettrez ensemble à le résoudre, sans lui laisser la possibilité de perturber votre harmonie. Célibataire, les flirts et les aventures seront assez satisfaisants. Mais la discrétion sera nécessaire si vous ne voulez pas que votre réputation dans le travail en pâtisse. Le mieux serait de faire ce safari amoureux dans un milieu où vous pourrez opérer incognito. Horoscope Argent. Uranus sera bien aspecté. Voilà qui vous permettra d'utiliser efficacement vos dons en matière d'argent. Si vous tirez le diable par la queue, vous trouverez enfin des solutions valables pour équilibrer votre budget. Pour ceux qui disposent déjà d'un pactole, grand ou petit, ce sera la journée idéale pour le faire fructifier au mieux. Prenez rendez-vous sans attendre avec votre banquier. Horoscope Santé. Avec une telle configuration astrale, il faudra vous astreindre à une certaine rigueur et une certaine discipline alimentaire. Les excès risquent d'être aussitôt sanctionnés par une importante prise de poids et par des ennuis de santé, surtout pour les natifs du deuxième décan, dont la gourmandise sera décuplée sous l'influence de Mercure. Horoscope Travail. Ça va bouger dans votre environnement professionnel. Peut-être serez-vous amené à changer de locaux ou à subir une profonde réorganisation. Certains d'entre vous auront un nouveau chef, égard au choc de deux fortes personnalités. Horoscope Famille. Tout devrait bien se passer en famille. Vos rapports avec vos parents seront faciles et sans histoire. Pour ce qui est de vos enfants, il faudra tenir compte de la présence d'Uranus. Vos petits chéris auront besoin de davantage d'indépendance. Horoscope Vie sociale. Bougez, faites beaucoup de sport, essayez de trouver de nouveaux centres d'intérêt. Ce sera le meilleur moyen d'utiliser votre trop-plein d'énergie. Ne restez surtout pas enfermé entre quatre murs.